salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui, moi voici sur Black Ops 2 pour un nouveau défi à la con. C'est parti! Et oui, bienvenue les amis pour un nouveau défi à la con sur Black Ops 2 en jeu d'armes cette fois-ci. Map stand-off, ça fait plaisir. Et le défi, il est très simple. Gagner un jeu d'armes avec le tableau des scores toujours affiché. Donc on y va. Donc c'est vrai que c'est pas dans un sens, on va dire, ultra difficile. Mais comme on peut voir là, on voit pas grand-chose finalement. C'est vrai qu'on voit... Alors sur un premier abord, quand je voyais comme ça, je dis ouais, on voit. Mais c'est vrai que quand tu dois être précis, c'est pas terrible. Alors là, pour les armes où faut pas viser, j'imagine que ça va le faire. Mais après, une fois qu'il y aura les armes où il va falloir viser style sniper, je pense que ça pourrait être un petit peu coton. Voilà. Merde. Donc c'est quelque chose qui m'a été... Enfin, c'est un défi qui m'a été demandé pas mal de fois en disant « Ouais, Skyros essaye de gagner une partie. » Alors à chaque fois, je dis les défis à la con, c'est soit mêlée générale, soit jeu d'armes. Mais bon, finalement, jeu d'armes, c'est aussi de la mêlée générale, mais d'une façon un petit peu plus fun, disons. Disons. Bâtard. Non mais... Alors là, je suis... Alors... C'est bien, c'est qu'au moins tu sais directement où est-ce que tu te situes dans le tableau des scores. T'as pas besoin de regarder 15 000 fois. Tu sais que t'es là. Alors on va se mettre sur mon truc là. Alors là, hitmarker au KSG. Mais hitmarker au KSG, c'est vraiment... C'est vraiment histoire de me chier à la gueule. Hein. C'est pas cool. C'est pas cool. Putain, et... Alors c'est vrai que sur le coup, je m'étais dit, est-ce que finalement le... Est-ce que finalement ça va pas être chiant de regarder un écran avec le tableau des scores toujours affiché? Bon, j'imagine pas tant que ça finalement. Un petit. Un petit client. Ah oui, mais attends! Ah d'accord! Je viens de comprendre la difficulté aussi. La difficulté dans ce sens-là, c'est que tu ne peux pas sauter! Et oui! Ah bah si, tu peux sauter. Bah. Bah là, j'ai pu sauter, je peux plus sauter. Bah non, mais on peut pas sauter, on peut pas mettre des coups de poing. Voilà. Mais on peut pas sauter. Eh merde. Oh l'enfoiré! Ah! Ah non, je l'ai réussi à l'avoir! Nickel. Oh là là! Oh là là! Et franchement, je vois pas grand chose. Oh 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 oh! Je vois pas grand chose, mais j'arrive à le remettre. Eh, mais c'est incroyable! Oh là là! Eh, non, mais. Non, mais attends. Non, mais là, les mecs, arrêtez! Arrêtez de jouer! Arrêtez de jouer! C'est fini! Vous avez plus le droit de jouer là, après ce que vous êtes pris là. Non, c'est... Normalement, tu poses la manette, un truc comme ça. Mais attends, j'ai pas encore gagné, donc je vais me la fermer un peu. C'est vrai qu'on voit un peu, mais pas tant que ça. Donc c'est quand même assez difficile. Et en plus, on peut pas sauter, donc si tu veux te faire des petites esquives. Bah tu ne peux pas. Et en plus bah bon j'allais dire, on sait pas trop si on a buté le mec parce qu'il n'y a pas la barre des feeds. On le voit quand même parce que bah, effectivement ça change d'arme. Donc dans ce point de vue là, j'entendais marcher. Alors pour les, généralement les armes de ce style là, c'est mieux de se mettre en hauteur. Voilà. T'es pas sérieux? D'accord, ok. En fait il était sérieux je pense. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais gamin, eh ouais, 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 non, non, non. Mais non, mais arrête, déjà, j'en ai mis deux des hitmarkers avec cette arme de merde, là. C'est pas possible. Et ils sont en train de me rattraper, les frères Chronicles, là. Bon, y'en a pas un qui veut aller juste en bas, là. S'il vous plaît. Ah, bah enfin. Ah. Un deuxième client. Oh, je l'ai tiqué! Je l'ai touché! Oh, dommage. Oh, 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 oh putain! Oh, le défi, comment je te l'ai torché, mon pote! Pff, hop là! Le tire-bouchon! Ah, merde. Ah bah voilà, je peux voir un peu ce que j'ai fait. Et franchement, c'est ma première partie que je fais avec le tableau des scores affiché. Et je suis quand même plutôt content de l'issue finale. Et ben je suis content, voilà, défi réussi. On peut dire que ça a pas pris long hein, pour le faire. Donc ça fait plaisir, hein, effectivement. Bon allez, on va pas se laisser comme ça, on va faire une petite deuxième, bien évidemment. Parce que je m'attendais pas à le réussir du premier coup, pour être honnête. Et là, c'est allé assez vite. Hein, c'est allé assez vite. Donc je me suis dit, une petite deuxième histoire de confirmer la victoire. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, bien évidemment, avec le tableau des scores affiché puisque c'est un petit peu le défi et on va essayer d'y arriver. Alors
comme je dis, c'est vrai que bah, la difficulté, mis à part que tu puisses pas sauter, qui est pas forcément super gênant dans un sens, parce que bon, en jeu d'armes, tu passes pas non plus ton temps à sauter, mais effectivement, à certains moments, pour faire des esquives, ça pourrait être sympa. Et de l'autre... Putain. Je voyais plus rien, j'ai eu du bol. Et j'ai l'impression que les mecs aussi font le même défi que moi. J'allais sauter aussi, mais là... Mais c'est du foutage de gueule! J'ai les yeux qui pleurent. Ah, bordel! Tiens, je suis un thug, je casse des fenêtres, mon pote. Wouh! Le thug! Attends, viens là, toi, viens là, viens là. Oh, le... Oh, hey, le mug! Non, mais franchement, le petit la petite action était quand même sympa. Ah, d'accord, non, je peux pas faire triangle aussi. D'accord, bah, de toute façon... J'ai pas besoin de changer d'arme, donc c'est pas trop grave. Et c'est vrai, comme je dis, voilà, on peut pas sauter, c'est pas trop grave. Mais derrière, même si la visibilité est là, c'est-à-dire qu'on peut voir quand même un minimum. Sinon, bon, c'est vrai que ça serait... bah, sinon, je ferme les yeux, sinon, hein, on va gagner du temps. Non, mais là... Et il y a des moments, où, comme là, l'exemple, c'est-à-dire que... Je sais pas où il est, le type. Je vois rien. Je... Merde, putain, j'ai l'habitude d'appuyer sur triangle. C'est un mauvais réflexe. Je l'ai pas eu tout à l'heure, pourtant. Il y a des fois je vois absolument rien, je devine. Et voilà, c'est ça finalement la difficulté, c'est pas que tu vois réellement, c'est que tu devines la silhouette. Et bon, la difficulté elle est dans le truc, mais c'est finalement c'est kiffant. Pourquoi t'es pas venu vers moi directement, toi? Et... Putain. Il y en a un là-haut. Hein. Est-ce que je peux monter? Oui, je peux monter quand même. Bâtard! Bâtard! Oh l'enfoiré! Ah, c'était dégueulasse, ça, c'était dégueulasse. Attends, je vais mettre la barre en haut. Voilà. Ça change pas grand-chose, mais ça peut changer. Et tu vois, j'ai le droit... Je peux faire un... Mais non, je peux sauter, là. Bah... Et bah là, je peux sauter. Et tout à l'heure, je pouvais pas sauter. Mais c'est quoi cette... Non, mais c'est quoi cette sorcellerie? Il est où, lui? Morte-couille. Non, mais là, c'est une sorcellerie. Ça va être serré quand même, hein, parce que t'as toujours les frères chroniques là. Oh l'enculé, ils sont là, hein, ils sont là. Hein, ils lâchent pas l'affaire, ils lâchent pas le beefsteak. Bah, moi je peux sauter alors. Bon, bah écoute, ok. Bon, alors j'ai dû passer pour un con sur le tout début de la vidéo. En disant Skyros, mais qu'est-ce que tu racontes comme carabistouille enfin? Mais bien sûr que oui, on peut sauter. Bah, je suis désolé, j'ai essayé, ça marchait point. Bon les mecs, vous allez me saouler à camper partout là. Alors là le mec il doit être... Le mec il doit être dégoûté quand même là. Ah, il doit être colère. Et j'ai mis une balle, c'est à dire que le mec il lui avait enlevé 99 de vie. Moi je suis arrivé, hop la crotte dans les yeux, étouffé le mec. Voilà, ça s'appelle un opportuniste. C'est comme ça. Alors là y'a rien. Et je me suis fait doubler hein. Mais ils trichent, ils sont à un écran partagé, je suis sûr qu'ils trichent. Ils doivent tricher, les tricheurs. Putain. Voilà, ils sont les deux en première place et tu me la fais pas à l'envers, Jean-Pierre. Oh, je sens bien qu'il y a du foutage de gueule dans l'air. Viens là, reviens. T'es ma seule option. Eh ben non, comme par hasard, il va revenir au moment où je regarderai pas, non? Putain, et c'est pas évident non plus, hein. C'est pas évident, hein. Et surtout que les mecs, là, ils sont pas forcément en mode agressif, hein. Alors, bon, je suis désolé ce qui t'est arrivé, là c'était un petit peu triste. T'as essayé pourtant, t'as essayé, non, on t'en voudra pas, t'as essayé. Alors. Mais là je peux pas sauter. Ah d'accord, j'ai compris. Oh, je suis pas fou. Jean-Pierre, je suis pas fou. Ok, voilà. Ah, regarde-moi ça, ce gros bâtard de merde, là, hein. C'est-à-dire que si je suis sur le blaze de quelqu'un d'autre, c'est pour mute. Bah oui, forcément, je peux pas sauter. Mais sur le mien, je peux sauter. Voilà, donc je suis pas fou. Je suis pas fou. Petite merde. Reste là, petite merde. Là, il est parti se planquer, hein. Ah là là. Ah, tu penses, hein. Gros enculé de merde, va. Bon, est-ce que... Il y a quelqu'un, là?
Et mais automatiquement ça me désélectionne. Bah oui, si je change de place dans le... Alléluia. Alléluia. Allez, mon bonhomme. Ah, d'accord. D'accord, on peut le faire, on peut le faire, on peut le faire. Ah, c'est bon! Ah, les couteaux balistiques, ma gueule. Ah, dommage. Dommage, dommage. On va essayer d'y aller un petit peu à... Et surtout qu'il faut que je le nique avec le couteau balistique, pas en mettant un coup de couteau. Mais là, les frères Mickey, ils vont tricher, je suis sûr, ils vont tricher. Ils ont des blases de tricheurs. Mais voilà! Mais je le savais qu'ils avaient des blases de tricheurs! Bande de salauds! Bande de salauds, vous n'avez pas le droit! Vous n'avez pas le droit, c'est interdit! Enfin bon, voilà! C'est vrai que j'ai gagné la première, c'était quand même une bonne chose. Malheureusement, la deuxième, je l'ai perdue de peu. Mais j'ai compris pourquoi on pouvait sauter ou ne pas sauter. Voilà, j'ai découvert un petit truc au moins. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo et proposer votre défi à la con pour le prochain défi à la con, tout simplement. Et puis voilà, n'hésitez pas par commentaire. Et si vous avez kiffé, vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas également à mettre un maximum de pouces bleus, de likes, ça fait plaisir, c'est de la récompense. Pour ma part, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée. Quelle bonne chose. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.